Salut Doudou, c'est une nouvelle vidéo YouTube où ça va parler de blé, moula, monétisation. Donc comme vous avez remarqué sans doute au début de cette vidéo tout simplement, et à la fin de cette vidéo, il y a des pubs sur nos vidéos maintenant. Il y a des pubs sur nos vidéos. C'est-à-dire que maintenant, on va gagner un peu d'argent avec YouTube. Cet argent va être remisé dans YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, je compte m'acheter une nouvelle caméra, ce qui est un accessoire pour YouTube, et un micro. Donc, ça va aller. L'argent que je vais gagner avec cette chaîne YouTube va servir pour cette chaîne YouTube. Donc, un micro, ça sera avec l'argent de YouTube, remisé, et bim, un micro qui va pop. Et bip, et bim, un fond vert qui va pop. Et bim, un autre truc qui va pop comme ça. Et de plus en plus, il y aura une meilleure qualité. De plus en plus, vous serez à nous regarder. De plus en plus, on sera là ensemble. Et peut-être qu'un jour, qui dit, j'aurai le même micro qu'un Mixem, le même fond vert qu'un Mixem, la même caméra qu'un Mixem. Et je serai à la Redbox. On sait pas. On sait pas. Tout peut arriver dans la vie. Non, pas à la Redbox. Un Mixem voudra jamais de moi. Ils sont trop connus, apparemment. Bon, quoique. Il me semble que Mastu et Noxy, ils n'étaient pas connus avant d'aller à la Redbox. Bref, je suis trop content, tout simplement. Parce que ce que je fais, ça a un sens. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui me regardent que je peux monétiser mes vidéos pour leur donner encore du meilleur contenu. Et moi, du moment que je vous donne du bon contenu, je suis content. Je veux vous donner le meilleur contenu possible. Et pour vous donner ce contenu, il faut que vous m'aidiez. Ah, en regardant les pubs qui vont apparaître maintenant sur les vidéos. Et puis, tout simplement, bah, vous verrez le changement, tout simplement. Je peux rien vous prouver maintenant. Parce que tout simplement, j'ai pas eu encore l'argent de YouTube. Et même ce mois-ci, je vais quasi rien avoir. Parce que YouTube, oui, ça va rapporter un peu d'argent. Et ça va me faire, je ne sais pas, mais, allez, 10 balles, 20 balles. Ça va pas faire énormément. J'ai que 1000 abonnés, je le sais. Et même si c'est 10 balles, 20 balles par mois, cet argent va être économisé pour acheter des micros, des trucs comme ça. Et de plus en plus, on sera de gens. Et de plus en plus, bah, tout simplement, je pourrais améliorer la chaîne. Tout simplement, rien qu'un truc, un exemple. Si on gagne de l'argent avec cette chaîne YouTube, ça sera remis dans des micros, dans des caméras. Mais ça peut être aussi pour payer le train pour aller voir Loubna, pour aller voir Loubna un week-end, pour qu'on tourne avec Loubna un week-end par exemple. Comme ça, vous avez des vidéos en couple et vous êtes content. Juste un week-end comme ça, je pourrais me dire d'aller voir Loubna ou je sais pas, tu vois. Juste je paye un week-end à Loubna pour qu'elle vienne me voir ou un truc comme ça. On va commencer à gagner de l'argent avec cette chaîne, mais il faut pas se dire que ça va être des milliers d'euros comme Amixem pourrait gagner, Vodkaprod pourrait gagner. Non. Mais pour l'instant, ça va être tout petit. Mais ça va être mis pour que cette chaîne devienne de plus en plus virale et que tout simplement vous restez abonné à cette chaîne. Si je prends cet argent pour faire de la merde avec, vous n'allez pas rester parce que vous allez vous dire, il fait de l'argent sur notre dos, mais il ne le réutilise pas pour nous. Mais si, je veux le réutiliser pour vous. Par exemple, je veux un enregistreur d'écran pour ma Switch pour vous montrer des gameplays qu'on fait avec Lubna. Quand elle vient, par exemple, on a beaucoup joué à Mario et les Lapins Crétins. Je voulais faire un live sur le jeu, mais je peux pas parce que sur Switch, on peut pas live. C'est pas comme la PS4 où on peut live direct. Du coup, tout simplement, je compte acheter une caméra pour la Switch et un truc, j'ai un enregistreur d'écran pour la Switch, ça coûte 100 balles, c'est quand même assez cher. Mais du coup, je compte acheter ça pour la Switch. Comme ça, moi, je peux me filmer en jouant à Fortnite, par exemple. Oui, parce que je joue à Fortnite. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que je suis un joueur Apex extrêmement vénère, que je kiffe Apex, que j'ai failli faire de la compétition Apex, tellement j'étais vénère sur Apex, tellement c'est mon jeu de cœur Apex. Mais ils ont fait des conneries et Apex est mort littéralement. Ils ont mis des nouvelles légendes qui sont un peu nulles et du coup bah, j'ai arrêté Apex, tout simplement, même si j'ai encore ma PS4. Oui, j'ai récupéré mon ancienne PS4, bref, elle marche plus. Mais je l'ai récupéré. Et du coup, bah, tout simplement, maintenant, je suis un joueur Switch. Je joue sur Switch à Fortnite. D'ailleurs, j'ai encore fait un top 1 tout à l'heure. Je suis trop fort, je suis le best.
Bref, du coup, je comptais mettre un enregistreur d'écran pour faire des lives Fortnite. Je sais pas si ça vous plaît, faut commenter, faut commenter. Tout simplement, maintenant je peux mettre des posts aussi sur la chaîne YouTube. Et live. Alors, les lives, vous êtes au courant parce qu'il y a déjà eu 2-3 lives sur YouTube. Deux de moi et un de Lubna. Donc, ces lives seront beaucoup plus fréquents. Et tout simplement, peut-être qu'il y aura des lives sur des jeux vidéo. Mais moi, j'aimerais bien live par exemple sur Fortnite ou des jeux comme ça. Tu vois. Après, je sais pas. En gros, si je dis tout ce qu'il va se passer, meilleur contenu, parce que plus de bonnes choses, genre caméra, genre plus de live, plus de vidéos que vous voulez. L'argent va peut-être servir aussi pour des dégustations, parce qu'on voulait faire une dégustation, mais on ne pouvait pas, parce qu'il faut commander à l'étranger. Oui, on voulait faire une dégustation américaine-française, genre une dégustation, on commande des trucs américains, on les mange, et on vous dit, voilà quoi, une dégustation américaine. On voulait faire plein de trucs, des Chili Belly Challenge, là, les bonbons pas bons, là, qui datent de je sais pas combien de temps, là. Les bonbons vomis et tout, on voulait faire ça, Jelly Belly Challenge là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est comme ça. Bref, des lives comme je vous ai dit, des vidéos du coup sur Switch, des vidéos Mario Maker, genre faire des lives Mario Maker ou des vidéos Mario Maker, parce que je suis 23 millième mondial sur Mario Maker. Oui, j'en parle pas souvent, à part quand on est en live. Sinon oui, je suis 23 millième mondial dans Mario Maker sur les niveaux de suite là. Et du coup, bah, peut-être arriver premier en live. Y a plein de trucs en fait à acheter. Et cet argent sur YouTube va servir à acheter tout ça. Donc, s'il vous plaît, mettez pas Adblock. Regardez les vidéos jusqu'au bout. Et regardez les pubs. Dites-vous que pour faire évoluer la chaîne, les pubs c'est la meilleure solution. Il n'y a pas d'autre solution. À part faire des dons sur les lives. Mais ça, je suis pas vraiment pour, parce que la plupart du temps c'est des enfants et je veux pas que des enfants fassent des dons sur mes lives parce que je suis sa star ou parce que ceci, parce que cela, tu vois. J'ai pas trop envie qu'un enfant prenne la carte bancaire de ses parents pour faire un don. Après, si toi t'as envie de faire un don parce que tu le peux, parce que t'as assez d'argent, parce que tu peux vivre en faisant un don et que ça te mettra pas dans le caca, bah vas-y, fais un don. Fais un don. Moi ça me dérange pas, hein. Mais si c'est pour après te mettre dans la merde, fais pas de don, ça sert à rien. Regarde mes vidéos et puis ça suffira. Si tu veux me faire un don mais que t'as pas assez d'argent pour finir ton mois après, fais un marathon de toutes mes vidéos et c'est comme si tu m'aurais fait un don, c'est la même chose. Tu fais un marathon de mes vidéos, tu regardes bien toutes les pubs et puis voilà. Bon, je sais que les pubs c'est casse-pied, mais c'est pour faire évoluer la chaîne. Vous verrez peut-être que dans 3, 4 mois, 5 mois, il y aura un nouveau micro, une nouvelle caméra. Allez, souhaitez-moi du bonheur. Souhaitez-moi le bonheur. Je sais que sur TikTok, il y a toujours des embrouilles, il y a toujours des. Faut pas parler de ça, faut pas parler de ça, faut pas parler de ça. Mais la plupart de vous qui me suivez, vous n'êtes pas des gens de TikTok. Ou peut-être 2, 300 personnes sont des gens de TikTok. Vous n'êtes pas des critiqueurs sur YouTube. Restez comme ça, vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure communauté qu'on peut avoir. Et je kiffe faire des vidéos YouTube. Et maintenant que mes vidéos sont monétisées, ce sera largement mieux. Ce sera 10 000 fois mieux. Je vous aime, mes loulous. Vous allez peut-être me faire vivre un jour. Peut-être que même s'il y a beaucoup d'argent, on pourra s'acheter un studio. Faire, je sais pas, faire des trucs énormes. Faire, à la place de faire des batailles d'eau, peut-être qu'un jour on fera des batailles de je sais pas moi, des batailles je sais pas, mais des batailles de coca. Non, je rigole, pas des batailles de coca, mais peut-être qu'un jour on fera des grosses batailles d'eau, je veux dire avec des pistolets plus gros, parce que là c'est des petits pistolets encore. Mais tout ce qu'on veut, c'est vous faire plaisir, vous rendre heureux, et c'est tout mes loulous. C'est la fin de cette vidéo. Bisous les loulous.